Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stonehearts, pardon, toujours en multi avec Katox. Bonsoir Katox. Salut. Et on se retrouve donc et ben pour la suite de notre ville. Donc on avait eu un crash la dernière fois alors qu'il y avait les gobelins qui attaquaient Katox. On a relancé en speed, enfin je l'ai rejoint en speed en off pour gérer ça, pour qu'ils se retrouvent pas tout seuls à les défoncer. Donc voilà, ils ont été gérés assez facilement hein, comme on avait géré mon côté. Et donc du coup, bon, on va repartir doucement en vitesse 1 le temps que le jeu se recale, je propose. Parce que les mecs, ils sont un peu tous sur la place, là. Ouais, histoire d'avoir un petit peu... Faut qu'ils retournent là où ils étaient. Alors du coup, on avait terminé des bâtiments... Ça c'est quoi? C'est une cuisine ça? Non, c'est un potier ça. Je vais filer les lits aux personnes qui sont censées travailler là, parce que je ne l'avais pas fait. D'ailleurs, j'ai pas trouvé comment on pouvait savoir qu'on avait déjà donné un lit à quelqu'un. Ça... alors ça, c'est une étape qui est assez chiante. C'est, tu sélectionnes sur le lit, tu sélectionnes comme pour l'assigner, et puis tu vas dans la liste. Et tu regardes s'il n'y a pas un current owner. Il a current owner qui apparaît, ok, d'accord. Et il n'est pas toujours en premier de liste, quoi. C'est ça qui est un peu chiant. Ouais, mais du coup, c'est pas mal parce que si quelqu'un a déjà un lit, c'est aussi marqué Already Owns. J'avais pas fait gaffe à ça. Oui, ça c'est, oui. C'est pas mal ça. Ok, donc c'est pas si mal déjà. Il fallait qu'on déplace du coup nos objets là, le feu et tout, pour les mettre là où c'est un peu plus joli. Pour que nos gens soient heureux. En plus on a des brasiers violets et tout, ce serait content de s'en passer. J'ai l'impression que mes zones de stockage commencent à être un peu pleines. On va en faire une deuxième. Ah ça, quand tu commences à miner, c'est toujours... Ouais, ça va vite. Surtout qu'ils consomment pas beaucoup de pierres, eux. Ici, c'est un peu comment, là ? Cette zone de minage, là. Vous allez me réduire ça, les gars. Allez, hop. Voilà, une case, ce sera parfait. Comme ça, on pourra fermer plus facilement. Bien, alors du coup, ouais, fallait qu'il soit content. Comment ça se passe? Ah, on a deux qui sont très contents quand même, ça c'est cool. Ça fait plaisir. Moi, il me manque des items d'excellente qualité et un petit peu d'or. Donc. Assez vite. T'as toujours aucun marchand qui vient, toi? Bah j'ai créé le truc pour le faire venir. Ça, je force la main. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pratique ce truc-là. Vous devez voir un bug, hein, parce que moi j'en ai plein, mais... Et du coup, oui, pour les renommages, hein, et bah en fait, du coup... Hibou, tu étais déjà chasseur, donc du coup ça tombe bien. Et Weird le cake, et ben Weird le cake, je n'ai pas pour l'instant deux gloutons qui sont débiles, donc on va voir si on arrive à en avoir un dans cet épisode, sinon et ben je te poserai la question. Que veux-tu être, plutôt glouton ou plutôt débile? Je le verrais bien débile. Ouais, c'est moi aussi, c'est un peu plus dans le thème je pense. Bah, surtout qu'il veut quand même qu'on l'appelle Weird le cake quoi, donc après... Ouais, ça marche après dans le cake cas, ça peut faire référence à glouton aussi. Ouais, ça marche dans les deux cas. Hein. Bon, on était en train de faire des petites chambres à la main là. D'ailleurs, c'est bizarre ce design là. C'est moi qui ai merdé ou... Ah oui, c'est moi qui ai merdé. Mini-moi ça, les gars. Bon, après, avec eux, j'ai pas pris le truc comme quoi ils aiment vivre en intérieur, donc ça serait peut-être mieux de leur faire faire des maisons. On construit plus rien d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut pas faire quelques petites maisons dans le bon sens de préférence? Hop là. Oh non, il a bougé au dernier moment, le bâtiment il bouge quand je clique quoi. Fait chier.
On refait. Donc je veux une maison tour 2. C'est chez toi que c'est terminé? Ah ouais. Il y a un dortoir qui est terminé, la suite va arriver. Allez. Hop, on va faire, enfin, on va faire deux comme ça. Parce qu'on a de la, on a de la clé de nouveau. Allez, c'est parti, build. Au taf, les gars. Ça va bien de glander 2 minutes. On va faire une route aussi, d'ailleurs. Mais t'es mal placé, bâtiment, là. Qu'est-ce que tu fous, putain, sorry. Dégage. Ah, ça commence bien. Qu'est-ce que t'as pas compris dans Destroy le building? Tu ne veux pas destroy ce building, peut-être? Ah, hop. On va recevoir des gens qui tapent la vie. Ouais, quel est le fuck, là? J'ai bugué ou quoi? Je crois que j'ai planté, mes mecs ne bougent plus, il ne se passe plus rien. Ah si, ça y est, c'est revenu. Ok. Ah ouais, non mais attends, ça c'est en train d'accélérer d'un coup, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu rattrapes? Il y a des mecs qui sont approchés, je sais pas où. C'est par chez moi, je m'en charge. Okay. Ah, on commence à avoir des kobolds, ça sert mieux. Alors du coup, je repars sur mon bâtiment. Mais j'avais mes mecs qui étaient en train de taper la discute à propos de gobelins, justement. Ouais, alors ma connexion est vraiment pourrave en ce moment, hein, donc... J'espère que ça va passer. Ça a quelques lags et puis le jeu accélère pour se remettre à niveau. Allez, c'est parti, on a deux bâtiments, ça va les faire taffer un peu. Au niveau des jobs, on a toujours pas de charpentier. C'est quand même la douleur. Je crois que j'avais fait un ingé, mais c'était vraiment histoire qu'il fasse quelques petits trucs. Ouais, il va faire une porte là. Tout ce qui lui manque, daily update. Ouais, on a un 20ème qui va arriver. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie? T'es carnivore et t'es mec de la nuit. Okay. Parfait, parfait, j'ai envie de dire. Ça c'est une maison pour une personne, on va filer le lit à quelqu'un tant qu'à faire. Tu vas toi. Et c'est vrai que j'ai 20 mecs et pas beaucoup de chambres en fait, hein, au final. Bah c'est finalement t'as vite fait de les accepter et puis tu te rends compte qu'il te manque des lits. Ouais. Oui. Bah c'est pour ça que j'aime bien, enfin c'est pareil, c'est un reste de Dwarf Fortress, hein, mais j'aime bien faire des chambres souterraines. Mais ils aiment pas trop vivre en intérieur, hein, c'est pas des nains quoi. Bah il faut prendre la bannière, il y a une bannière qui permet ça. Ouais bah je l'ai prise dans ma partie solo justement. J'ai une immense cité souterraine. Avec quelques bâtiments dehors pour faire joli quoi. Le maçon il fait des portes ou pas? Pourquoi tu fais pas de porte? T'as pas assez de stone, tu te fous de ma gueule, c'est quoi qu'il y a là? C'est pas de la stone? Ah putain, c'est que de l'or ça! Ah ouais. Bon bah ok. Bah du coup fais pas de porte, hein, qu'est-ce que je te dise moi? Je vais pas aller à l'encontre de... Voilà hein. Non, c'est pas possible. Dire de le faire en premier, faut arrêter les conneries. Démerde-toi, tu me fais une porte quoi. Sans blague. Alors, le cuistot il peut faire des saucisses. Non, il va faire des saucisses. Il peut faire de ça, mais il pourra plus du coup. Il peut faire du curry. Alors, des animaux à adopter, mais j'ai pas encore assez de thunes. J'ai pas assez de thunes, effectivement, mais j'ai surtout pas assez
J'ai surtout pas assez de... Comment ça s'appelle ? Enfin, j'ai surtout pas de pâtre, de machin là, enfin de... Je sais pas comment on pourrait dire, si, un pâtre, un berger, de berger, voilà. C'est ah ça, oui. Un berger. Bah ça encore, faut un carpenter pour faire ce qu'il faut. Ouais, puis mon trappeur il est encore trop bas niveau, je pense. Attends, qu'est-ce que je fais hein? Il me faut quoi? Il me faut une stone tunnel d'or, il me faut pas du tout. Stone double d'or, c'est pas du tout ça qu'il me faut. N'importe quoi. C'est ça qu'il me faut. C'est complètement ça qu'il me faut. Tu m'en gardes 10 dans l'inventaire, allez au taf. Espèce de feignant. C'est qui mon maçon là? Bloc Tundra, je te félicite pas. Au boulot, fainéant. Bah il est en train de miner de l'argent donc je peux pas vraiment lui en vouloir quand même mais... Bon un peu quand même. Ouais non. Il pourrait miner de l'or tu vois. Il pourrait miner de l'or c'est clair. Il est parti restocking des items. Non mais arrête de porter des trucs enfin. Non, ça suffit, les mecs qui ont des jobs utiles ils portent pas quoi. Alors, je vois qu'il y a mon Weaver qui ne fout rien. Ah, on pourrait faire pas mal de choses. Worker Finery. Ou Upgraded Worker Outfit. Ah, c'est lequel le mieux, tiens. Il n'y a pas de stats, en fait. Et ils ont le même prix. Parce qu'il y en a un qui est plus cher à faire. Du coup, l'un dans l'autre, je ne sais pas trop. Bon, de toute façon, ils ont du taf, il y a du taf déjà, je sais même pas pourquoi ils glandent. Ah ouais, oui. tu traces là. Ouais, c'était toutes les deux pas loin d'être terminées. Donc. Bon. Alors, qu'est-ce qui leur manque à eux? Du bois, adiantre, du bois. Oui, effectivement. C'est un problème. Où est-ce qu'on va trouver de la caillasse? Qu'est-ce que... Merde, putain. Alors ça par contre, laguer et pas cliquer sur le bon bouton, ça a tendance à m'énerver assez vite. Voilà. Merde, putain, mais où est-ce qu'il y a du bois à ramasser? Ça commence à être un peu tendu, quoi. Bah t'as le bois, mais t'as les gros cactus, ça t'enfile aussi. Ouais, il commence à être lent quand même. Yep. C'est moi ça. Putain, c'est Triss qui se fait attaquer par des loups. Scandale. Rentre à la maison, Triss. À l'assaut. Suce au loup. Suce au loup. Et aux cobbles qui sont derrière. Ça, il va falloir commencer à faire des archers parce que les cobbles, quand ils arrivent en grand nombre, ils sont horribles. Non mais. Ouais, mais mes soldats qui arrivent au cac et qui s'enfuient, c'est un peu déprimant quand même. Ouais, non, mais là il va falloir très très vite. Il va falloir des knights aussi parce que c'est un peu le drame les dégâts là. Sur les bords. Heureusement qu'on a le clair quoi. Ouais, il y en a deux. Ça va, ça aide. Bien joué les gars, vous avez mérité votre paye pour une fois. Ouais, des archers, pour ça il faut un charpentier, hein. Je crois qu'il y a aucun moyen de cheater là-dessus. Hein. Non. Toi, non, bah sauf si on te le propose à l'achat, mais... Ouais. Bon, je suis pas convaincu quoi. D'ailleurs, je vais faire un truc moi aussi pour appeler le marchand là. Ça peut quand même être vachement utile ce truc là. Au niveau de ce qu'on minait, comment ça se passe? Ah, mais il y a un énorme arbre là. On va aller le couper. Ou une échelle. On va le couper, puis après on minera ce qu'il y a en dessous. Ce mec,
il rase le pays, quoi. Ça, c'est... Appelez-moi Saruman. D'ailleurs, je me demande ce que ça fait si je le faisais dans l'autre sens. Alors, on a un scout orc qui apparaît. Ok, on est content d'avoir buté Ogo, hein. Il nous dit que on attire l'attention, on va dire que envoie-nous ce que tu veux, on te défoncera le cul. Je sais pas pourquoi je sens qu'on va regretter ces paroles. Non, il y a le camp qui est mort, mais du coup ils vont pas nous attaquer. Pour l'instant. Bah il faut qu'on construise un truc après pour qu'ils nous attaquent, je crois. Le gong là. Ouais, mais ils continuent à te faire des petites escarmouches. Oui, bah oui, c'est clair. Voilà, moi j'ai upgrade mon village. Upgrade dans quel sens? Bah, j'ai réussi à avoir tout ce qu'il fallait pour la quête. Ah, bien joué. C'est pour ça que j'ai un feu spécial. Ton feu a évolué, ouais, exact. Nous on en est où? Il nous manque 2 mecs super contents. Sur 5. C'est pas si mal. Ouais. Ouais, et puis ça c'est assez difficile à prévoir quoi. Et on a un nouveau personnage qui arrive. Alors qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Main verte et ok, très bien. Ouh, tu fais un gros bâtiment là du coup. Ouais. La vache. Ouais, c'est un petit que j'ai design. Ah, un bâtiment maison, le fameux. Ouais. Le fameux. Qui est en plan depuis, je crois, le début de la partie. J'attendais d'avoir bien suffisamment de temps pour pouvoir le faire. Pour upgrade le village, je pense que c'est le bon moment. Ouais. Ah, on est retombé à 2, fait chier quoi. Bon, faut qu'on fasse quelque chose pour rendre ce village un peu plus sympa. Est-ce que déjà on n'aurait pas des petits trucs à poser? On a des consommables, c'est très très bien. Ouais, on peut poser des plantes un peu partout pour faire joli. Pour ça de prix. Des petits cactus en pot là. Joli un cactus en pot. Là on a aussi ça à mettre. Hop. On a plein de jolies gargouilles. Je sais pas trop si c'est le style de la maison de mettre des gargouilles. Mais... Village de gargouilles. Tiens, on va mettre un peu de gargouilles dans le à l'intérieur de la mine là, pour qu'ils soient contents les gens. Quand qu'ils fassent pas trop la gueule quand ils vont miner. Ouais, puis c'est vrai, il faut que je laisse ouvert ce truc parce que si jamais je passe à 5, il faut que je le chope instantanément. Quoi. Ouais. Après, avec les maisons que t'as fait et tout, je pense que ça devrait aller aussi. Ouais, faut le temps qu'il termine, et ça devrait être bien, je pense. Après, je leur pose des petits brasiers haut de gamme et tout pour faire joli. Ça les fait bosser un peu. Ça mange pas de pain. Une lanterne ici. Hop. La quête. Ah oui, y a un mec qui arrive avec des trucs à vendre. Bah, du coup, on va t'acheter du bois, mais d'abord faut qu'on vende des choses. Vendons des choses. Genre ça, c'est pas de la qualité qu'on vend. Ça aussi. Et ça aussi. Du coup on va t'acheter un peu de bois. Parce que pourquoi pas.
Alors, donc je lui donne ses fenêtres et il me donne une bronze breastplate. Parfait. Et lui, il voulait des trucs. Ok, très bien, ça va être fait. Est-ce qu'on a moyen de faire des knights? Il faudrait faire des forgeron, boucliers. Ouais, il faudrait ça. Est-ce que notre ingé, il a réussi à faire sa putain de porte là? C'est quoi le problème? Ah, mais il faut qu'il soit level 3. Oh, pff, ouais, c'est bon. Arrête tout. Tu vas redevenir forgeron. Tu peux pas redevenir forgeron, merde. Comment ça, il peut pas redevenir forgeron? Bah j'ai pas l'outil qu'il faut. Hein? Tout simplement. Hop, yep. Voilà. Alors il y a des invasionneurs, ouais, j'ai vu, ils sont où? Ah, ils sont chez moi encore. Attends. Je t'envoie la troupe. Ouais, tu peux enlever quand tu veux. Il commence à faire de plus en plus de dégâts quand même. Ouais, la vache, ils sont costauds, hein. T'as un archer? Ah non, c'est à lui l'archer, putain. Oh, ça va, il va se faire défoncer. Voilà. Non mais... Tranquille. Est-ce qu'on aurait pas éventuellement moyen de faire un deuxième fermier? Parce que c'est un peu la dèche quand même. L'autre qui est arrivé qui avait la main verte là, elle est où? Toi. J'ai pas de truc à fermier de façon. Ouais, non, ça aurait été trop simple. Et il me faut un charpentier. Ouais bah non mais il faut arrêter, il faut un foutu charpentier. Ça va bien 2 minutes les conneries. Mais c'est pas la CSS. Sauvegarde automatique. Ah oui, ok. Au niveau. On a des lits également là. Ouais, faut des lits quand même ici, mais ils vont gueuler, c'est ça le problème. J'ai pas très très envie qu'ils gueulent. J'avais pas fait un truc pour herboriste. C'est quoi ça? Si, c'est complètement un truc pour herboriste. Toi. Il est où mon herboriste? Voilà, c'est ton lit ça. Et ça du coup, ça dégage. Petit tour des environs. Il n'y a pas de lit dans la cuisine, hein. Non, c'est juste une cuisine. Ah, il y a un zombie avec un coffre là, je vais le chercher. C'est quel genre le zombie? Ouais, c'est un bébé zombie. Ah merde, c'est où? Oh, il est sur il est coincé. Il est coincé. Il est coincé. Tant mieux. Allez, c'est parti, ça les occupera un peu. On fera de l'XP. On est à combien là? 9 6, ça va. Valeur de la ville, on avance bien quand même, ça c'est cool. Ah, je peux pas le poser, ça fait chier. J'ai mis ma gargouille trop basse. Ben voilà. J'ai vu un ennemi. Non, c'était là. Ouais, c'est quand t'as attaqué le géant. C'est quand j'ai attaqué, ouais. Je me suis pas trop inquiété, j'avais eu raison visiblement. Alors, il y a machin qui nous rejoint. Machin.
T'as un compagnon animal et t'es charismatique. Par contre, t'es... Ouais, non, ça va. T'es à peu près balancé, on va dire. Ah, est-ce que vous m'avez coupé cette arme, les gars? Ouais, bah vous avez miné, du coup. Allez, hop. 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 Alors un marchand, il nous vend de l'iron, monsieur. On va lui acheter. On va lui vendre des trucs, genre ça. Puis genre ça. Là, ça on vend pas. Ah mais j'ai un arc, j'avais même pas fait gaffe. Ah non, c'est un récurve, c'est vrai, c'est pas. C'est pas celui qui permet de. Non, c'est celui amélioré qu'ils peuvent utiliser, mais c'est pas celui qui permet de faire des trucs, malheureusement. Il faudra vraiment faire un carpenter. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pas grave, en attendant, on va acheter. J'ai jamais trouvé de veine de fer jusqu'ici. Je sais même pas si c'est possible d'en trouver. C'est possible. C'est ça que ça dépend du biome. J'ai trouvé étain, or, argent, cuivre, mais jamais fer encore. Alors, oui, donne-moi une wooden sword. Vas-y, fais-toi plaisir. Et ce que vous allez faire, forgeron. Ah, t'as pas encore le niveau, sérieux quoi. Tu vas me faire genre 4 trucs comme ça, en speed. Voilà, en priorité. Voilà, j'en ai trouvé une, si tu veux. Ah ouais? Bon, elle est un peu loin, ouais. Bien joué. Bah, c'est pas forcément une urgence, mais je me demandais juste si c'était possible en fait. Non, c'est possible, il y en a une qui est sur une des falaises, pas trop loin. De quel côté plutôt? Par rapport au sphinx, mettons. Face au sphinx. Face au sphinx, voilà, et puis plus. Le petit truc. Pas cette montagne là, celle de côté. Ah. Celle de côté. Alors, je vois ta souris. Ouais, elle est là. Là. Ah ouais, exact. C'est bleu comme ça, d'accord, ok. Intéressant à savoir. On saura où aller si on est en dèche. C'est quoi ce truc tout en haut de la montagne là? Ouais, ça va être un sacré bout de chemin. Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, bah là, globalement, en minant déjà cette montagne là, on trouve pas mal de choses, quoi. Eh ben, mon bâtiment se construit plus vite que ce que je ne pensais. À quoi ça ressemble alors? Ah ouais, avec des étages et tout quoi. Ah ouais. Le suspense est insoutenable. Qu'est-ce donc? Tu vois quand même vraiment que c'est pas très travaillé quoi. Tu vois les autres qui sont un petit peu plus... genre la maison pour deux qui est un petit peu plus... Ouais, mais ça étage, va. Hein. Déjà, t'as des fenêtres et tout. Ouais, bah franchement, j'ai pas trouvé si simple que ça le truc à construire quoi. Ah ouais, l'interface de construction elle est. Enfin, faut vraiment la prendre en main, c'est pas simple. Hein. Ah, ce sera moi. Ouais, c'est moi qui ai planté cette fois-ci. Ah, bah écoute, on est quasiment à la fin de l'épisode, donc bah comme ça au moins c'est fait. Du coup, merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve très vite pour un déplantage. Et puis à très bientôt, merci à toutes et à tous.